Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes bien sur, sur, sur Fréquence 7 et c'est l'émission Solidaire d'abord. Alors aujourd'hui, nous sommes quatre autour de la table et nous allons parler des dérives philosophiques de la société capitaliste. Tenez-vous bien, accrochez-vous au... Au, au bois qui est autour de vous si vous en avez euh, on a évidemment euh, pour ça euh, le candidat présumé de notre émission euh, Denis hein, qui est là, sûr, hein, toujours, là. Hein, toujours là toujours candidat euh, toujours affiché hein, candidat toujours affiché. présumé voilà j'ai pas pas dit non encore on, on a Alain euh, en expert hein, qui est là pour, euh, voilà, pour, savoir, pour nous guider pour nous donner les bonnes idées Florence Palot exceptionnellement ce soir bonjour bah, je sais pas si c'est exceptionnellement ce soir d'ailleurs, parce que euh, si, si, si euh, ça te convient, on te réinvite très bien. Hein. Pourquoi pas? Voilà. Alors donc, euh, toi, Florence Palot, euh, euh, qu'on invite particulièrement aujourd'hui, euh, tu, tu viens aussi parce que euh, en fait, tu, 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 es, tu es prof et que ce soir, dans les dérives de cette société capitaliste, on voulait parler de ce qui se passe au niveau de l'éducation euh, Oui, alors je veux bien commencer par euh, tout de suite évoquer euh, un point essentiel, c'est euh, la perte de solidarité euh, entre les individus, tant d'un point de vue d'ailleurs des, des collègues que les, euh, que les élèves. Alors bon, ça, ça fait longtemps hein, que, euh, que ça existe, mais euh, la réforme bancaire a largement mis euh, l'accent là-dessus, en, en mettant un terme aux séries euh, dans les baccalauréats. Et en créant donc des, des spécialités. Alors, pour faire très vite, qu'est-ce qui se passe euh, bah Les groupes classes, finalement, n'existent quasiment plus. Euh, C'est-à-dire que sur la totalité de l'emploi du temps des, des, des jeunes lycéens, euh, ils n'ont plus que 10 heures en classe entière. Après, ils s'éparpillent dans leurs spécialités. Par exemple, s'il y a un élève qui, euh, qui fait une spécialité maths, une spécialité euh, activité artistique et une spécialité langue, eh bien, euh, quand il aura ces heures de cours-là, il se rendra dans le groupe de maths, dans le groupe de langue et dans le groupe d'activités artistiques. Tant et si bien que la notion de groupe classe euh, se perd. Et donc, du coup, nous, en tant qu'enseignants, on voit des élèves éparpillés et qui, euh, qui se parlent peu finalement. Et euh, cette solidarité-là, cette entraide, cette coopération, elle se perd euh, du côté des élèves. Mais bien évidemment, elle se perd du côté des, des enseignants, euh, compte tenu du fait que, euh, comme chacun sait, euh, euh, le ministère de l'Éducation nationale reste très avare dans, 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 dans son budget. Et donc du coup, il y a une mise en concurrence entre les disciplines. Et donc chacun tire la couverture à soi. Et, et du coup, ben, tout se passe comme si on finissait par défendre sa discipline par peur de perdre éventuellement des heures, voire son poste, hein, selon les, les disciplines. Et donc du coup, il ben, n'y a plus de, de discussion possible autre que celle qui va tourner sur cette espèce de valeur marchande maintenant, euh, des heures de cours. Et, euh, et du coup, on s'éloigne considérablement donc de cette solidarité et euh, de la citoyenneté qui, à mon sens, pourtant, est, doit être le, le, le premier, la première chose à laquelle doit s'exercer l'éducation. Alors, donc les, les élèves ne font plus société, quelque part, hein, c'est ce ça. que tu étais un petit peu en train de dire. Et donc, moi, je pense évidemment à un autre sujet qu'on qu voulait aborder ce soir. Il y a aussi les gens qui font plus très vraiment société, puisque tu as été, tu nous parles là d'une un, expérience de quelqu'un, euh, un, un photographe qui euh, qui, qui s'est retrouvé dans des circonstances très particulières, euh, malade à Paris en fait. Oui, euh, je voudrais vous parler, disons de de deux morts. Alors ça ça paraît. Euh peut-être un peu curieux pour, pour, résumer au niveau du capitalisme, pour, euh, disons. Mais c'est un, un, comportement, disons, de notre société par rapport à des morts. Alors oui, en effet, René Robert était photographe à Paris et il travaillait depuis 50 ans, particulièrement dans les portraits des danseurs et des musiciens de flamenco. Il avait 85 ans. Euh, il est mort tragiquement à Paris le 20 janvier euh, 2022 dans le quartier de La République, qui est un quartier quand même où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et il est mort dans l'indifférence totale. Il venait de manger au restaurant, de passer une agréable soirée, il sort, il euh, titube euh, 200-300 mètres un petit peu plus loin du, du restaurant, et euh, il s'écroule euh, sur le trottoir. Les gens passent, personne ne s'arrête. Il va rester sur le sol 9 heures. 9 heures allongées sur le sol sans qu'aucun passant ne daigne l'aider, le regarder. Et c'est enfin, enfin un SDF qui s'inquiète, qui le regarde, et qui se penche sur lui et qui donne l'alerte. Et moi, ce monde, ce monde, personnellement, me fait peur. Le, capitaliste, le capitalisme nous rend, je trouve, égoïstes, individualistes. Il nous clone, il nous structure à la connerie. Il n'y a pas de limite. Il n'a pas de limite. Je n'ai pas peur des Arabes, je n'ai pas peur des Juifs, je n'ai pas peur des chômeurs, je n'ai pas peur des SDF, mais je n'ai pas peur non plus des immigrés clandestins, mais peur des je n'ai pas peur non plus des vaccinés et des non-vaccinés, mais j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de la connerie humaine qui peut nous dévorer goulûment notre liberté. Et j'aime reprendre cette citation d'Anna Gabana, « Ce qui empêche les hommes de vivre ensemble, c'est leur connerie, pas leur différence ». Alors voilà, on, on sent bien là que euh, on peut avoir euh, des extravagances amenées euh, par euh, par cette société du confort. Chacun chacun son petit confort euh, euh, et, et justement tout ce qui fait société, tout ce qui fait que on pouvait être ensemble euh, disparaît complètement. Euh, l'argent, euh, l'argent, le petit confort de chacun. Cela euh, voilà. prouve aussi qu'il y a beaucoup de LDF à Paris. Parce que s'il y en avait point, quelqu'un qui reste par terre, de suite, ça aurait donné l'alerte. Mais il y a tellement à Paris des gens qui dorment dans la rue et qui font la, la, la manche ça que, que tu veux dire. Euh, voilà, mmh. euh, un cas parmi d'autres, voilà, on fait pas attention. Enfin, on ne fait pas. Je ne suis pas Parisien. Hein. Les gens ne font pas attention à. On, on à... banalise euh, oui, la pauvreté. On banalise la pauvreté elle, elle passe, euh, et les gens ils détournent les yeux, ils veulent pas la voir. Euh, et du coup, ben oui, ce qui est arrivé à ce monsieur, ça peut arriver à beaucoup d'autres personnes. Hein. Mmh. Alors, peut-être en même temps, là, dans ce, que tu, dans ce que tu dis, il y a aussi les gens qui, qui ont eu un espèce de réflexe de chacun pour soi quand on, est, on a été face au Covid. C'est-à-dire que tout le monde commençait à se méfier de tout. Donc, euh, peut-être. La, la peur qui nous habite, voilà. oui. Euh, C'est euh... vrai que les gens, ont, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils étaient à la fois terrorisés, euh, euh, ils se sentaient menacés, ils se sentaient tout le temps euh, dans, dans un truc, où chacun pour soi. Euh, euh, je m'en sors euh, dans mon petit coin quoi? Hein disons le, je, moi, je pense que le capitalisme a une, a une grande responsabilité à ce niveau parce qu'on nous, euh, nous a appris à répondre euh, à, à nos désirs, à des désirs euh, et pas à nos besoins. les besoins, bon, comme je, je l'ai dit déjà, je pense à ce micro, mais nos besoins, c'est l'eau, c'est la faim, euh, c'est les habits, c'est se, se, se protéger, avoir une maison, euh, mais le capitalisme est allé au-delà il est allé sur nos désirs c'est-à-dire sur nos caprices sur notre individualisme et il nous a appris à, à répondre à ces choses euh, disons qui nous, qui nous habitent individuellement et qui nous poussent à, à, à résoudre nos, nos problèmes personnels et à ne plus voir l'autre. Oui, mais euh, du coup, je voudrais euh, ajouter le fait que euh, je ne perds pas espoir, parce que euh, précisément le, le capitalisme a, a ancré dans les esprits cette idée d'égoïsme, voire d'égocentrisme, mais comme il a considérablement appauvri les gens, y compris les jeunes, hein, puisque par exemple, moi je constate depuis euh, quelques années que nos lycéens... Euh, du lycée général, donc ce qui était réservé au lycée euh, technique et professionnel, ça arrive au lycée général. Euh, nos lycéens, donc, travaillent, sont obligés de travailler pour pouvoir euh, peut-être souffrir quelque chose. En tout cas, c'est le mieux qu'on peut espérer, mais souvent pour pouvoir donner un coup de main euh, euh, à leur famille. Donc, de fait, euh, ils sont en train de prendre conscience de la nécessité, justement, de refaire société. Et de façon assez surprenante, euh, bah quand on travaille par exemple des, euh, des, des sujets sur euh, les questions de la discrimination, sur la différence, ils sont extrêmement euh, euh, au fait de tout ce qui se passe. Et euh, d'ailleurs, ils apprennent beaucoup de choses euh, aux adultes. Et parfois même, euh, ils ont une façon de, de, de voir le monde. Le rapport de l'homme euh, au monde est tellement différent, éloigné de la nôtre que du coup ça, 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 ça crée presque des, des, des conflits entre les adultes et les jeunes, des conflits j'entends par les mots, hein. euh, mais du coup ça permet aussi de se rapprocher, parce que bah, on va, on va s'apprendre plein de choses les uns les autres, et donc du coup ça permet de, de, de créer des, des projets par coopération. Alors c'est le parcours du combattant, mais on y arrive, et là euh, bah, les jeunes donnent de l'espoir, quoi, vraiment. quoi. Tu as raison, moi je crois beaucoup, disons, aux jeunes aussi. Euh, je pense Autant le capitalisme, je pense qu'il nous envoie dans le mur, euh, que les jeunes sont, euh, 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 le, disons, la, la goutte d'espoir et, de et de lumière. Mais ils ont intérêt de se remuer, parce que là on va dans le mur et ce sera les premiers concernés. Hein. Ce sera sûr. les premiers concernés. Donc mmh. si, entre l'écologie et le réchauffement climatique, ça va poser des problèmes pour ces jeunes-là. Alors, cette société, donc, cet argent fou du capitalisme euh, achète tout. Et toi, Denis, justement, tu avais un sujet. Euh, tu voulais nous, nous parler euh, de, de tous ces cabinets conseils euh, qu'on qu nous sort comme ça, comme par magie, et qui viennent, qui viennent donner des conseils. À, alors, qu'est-ce que fout un haut fonctionnaire, puisque apparemment tout le travail est fait par, euh, par ouais. les cabinets conseils Oui, c'est les cabinets conseils qui sont carrément dans le ministère. Hein, c'est impressionnant. Hein, ils sont carrément installés dans le ministère. Et ils se font payer grâce. Un un alors là, évidemment, c'est des, des énarques qui sont dans les camions du Conseil, mais aussi au ministère. Donc, à savoir si le ministère ne récupère pas les, les énarques les moins performants, on va dire, pour ne ouais. pas être insultant, et que les, les, bons, les bons, les meilleurs vont dans le privé. Mais alors, du coup, ben, oui, ça, les, nos, nos, nos ministres, alors, dans, les Olivier Véran, Amélie de Montchalet, Véran pour la santé, Amélie de Montchalin, c'est le ministère de la Transformation et de la Fonction publique, et puis Florence Parly, là, c'est pour la Défense. Ils ont fait appel à des conseils, que ce soit McKinsey, Capgemi ou cabinet BCG. Ah, alors ça, ça doit coûter un pognon de dingue, ah, je suppose. Ah oui, ah, c'est de, des milliards. C'est ouais. des milliards. Alors là, je peux citer un chiffre quand même, parce que je ne vais pas tous les citer, parce qu'il y en a beaucoup. Pour le, la chaîne sanitaire, donc de 2020-2021. Oui, mais comme par hasard, justement, il y a, il y a des conflits d'intérêts entre ces cabinets McKinsey oui. et. Et les, les vaccins Mais, Pfizer. Hein voilà, oui, oui, Mais le, 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 le Sénat s'en est mêlé. Il, il y a des commissions qui sont montées. Donc les, ouais. les ministres passent les uns après les autres et les cabines de conseil aussi pour justifier pourquoi les embaucher. Parce que, quand même, pour la crise sanitaire, entre 2020 et 2021, c'est 30 milliards d'euros qui ont été dépensés en cabinet de conseil. Alors après, on va chipoter pour des retraites ou des, des, des chômeurs pour gratter un milliard sur les, les le, sur les chômeurs. Et puis là, on dépense 30 milliards. Pour, des, pour, des, pour la santé Pour faire le boulot que théoriquement un haut fonctionnaire est capable de faire Ah oui, ah oui bien sûr, mais oui, oui mais je ne sais pas qu'ils s'y foutent, euh, parce qu'ils ne savent là il y a un scandale qui vient de sortir là, euh, là, ces jours-ci, euh, c'est euh, un livre évidemment, une fois de plus, c'est les, les journalistes du privé, c'est pas... C'est les journalistes du privé qui sont dans les boîtes privées, qui sont mis part, ou blast, ou qui, qui sortent les affaires, et là il y a, un, y a un, un, un scandale qui vient de sortir sur les, les repas. Alors c'est le cabinet de, de la ministre Annick Gérardin, euh, frais de bouche, impressionnant, frais de bouche, c'est 15 800 euros par mois dépensés, entre, euh, entre mai 2017 et, et novembre 2020. Et, et pendant ce temps-là, dans les EHPAD, parce que oui. comme tu nous parles de Annie Gérardin, évidemment, oui, oui, hein, oui, ça, ça oui, fait oui. référence à ça, ils ont 4 euros par jour pour, voilà. pour nourrir une personne. Voilà. et eux, pour 10, entre 10 et 15 euros par jour... Hein et ils ne travaillent ouais. pas tous les jours, hein. les EHPAD, ils mangent tous les jours. Hein. Ouais. Là, donc, c'est 5 jours par semaine maximum. C'est 15 800 euros par mois. Donc, après, quand le, on vient nous donner la leçon, parce qu'on coûte un pognon de dingue, monsieur, monsieur le président, le pognon de dingue, mm. euh, là, là, il y a vraiment de quoi gratter et, et faire des économies. C'est l'or gris. Ouais, l'or gris. On gris. fait de, de l'argent, disons, avec les, les gens âgés. Oui, mais mm. ouais, ben là, par contre, on ne fait pas de l'argent avec le ministère. Hein. Et pendant ce temps-là, il y a aussi euh, de plus en plus d'écoliers et de lycéens aussi qui ne mangent qu'un repas par jour, oui. ah ben celui oui. de la cantine. Et euh, on se bat pour avoir des, des moyens pour euh, justement les aider à, à ne pas payer euh, leur cantine. Euh, C'est leur repas. Ouais. C'est le repas de la journée à la cantine. Ah oui. ouais. Et nos anciens ont droit, je crois, qu'à un seul pipito. J'ai entendu ça l'autre <laughs> oui, oui, jour, un seul pipito par jour. Oui, quand même, faudrait pas. Euh... Mais c'est pour leur santé, hein Oui, oui, oui. Il ouais, ne ouais, ouais. ouais, faut pas qu'ils soient, euh... qu soient trop gourmands. Voilà. Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est sans ouais, doute pour prendre soin de leur santé. L'obésité n'est ouais. pas bonne, Le sucre n'est pas bon pour Le nos anciens. Alors bon, un sujet moins rigolo peut-être, mais tu nous as dit tout à l'heure, Alain, que tu voulais parler en fait de deux morts et tu en as cité qu'un. Alors j'en ai cité qu'un, oui. Je voulais vous parler du professeur Luc Montagnier, dont vous avez sans doute tous entendu parler et qui est mort le 8 février 2022 à Nuit-sur-Seine. Luc Montagnier, c'était aussi le prix Nobel de médecine qu'il avait reçu en 2008 avec Françoise barré aussi pour la découverte du virus du sida. Et oui, l'humanité doit beaucoup à ce grand professeur de médecine. Et pourtant, et pourtant, notre gouvernement, les médias, sauf fréquente 7, cette... fréquence 7 qui est différente et pas pareille, mais... Tous ces gens ont mis beaucoup de temps, disons, à annoncer sa mort et à rendre un hommage légitime, un hommage mérité, au professeur Léon Montagnier. Luc Montagnier, c'est un esprit brillant, innovant, une intelligence extraordinaire. Il avait, euh, qui avait amené le professeur Montagnier à exprimer des réserves sur des sujets tabous. Et voilà, peut-être pour ça. C'est sans doute pour ça qu'on avait, euh, disons, qu'on a mis tant pas, de temps. Ça, ça plaît pas quand on n'est pas d'accord. Hein. Ah, on n'aime pas les gens qui pensent trop. Hein. Et Luc Montagnier pensait différemment. Alors, il avait lancé des réserves sur l'utilisation, par exemple, de l'aluminium dans la composition des vaccins. Il n'était pas du tout un anti-vax, mais il souhaitait des vaccins vérifiés et sans danger. Il avait aussi euh, exprimé, il était un témoin gênant euh, par rapport à euh, les, les risques possibles sanitaires sur l'hormone de croissance, particulièrement sur le, la maladie de Crosswell-Jacob, ce qu'on appelait la vache folle. Et il avait alerté dès euh, janvier 1980. Il avait également vu par rapport euh, au Covid-19, dans une lecture qu'il avait fait en laboratoire avec d'autres médecins, d'autres experts, d'autres professeurs, il avait vu des traces de, des traces de VIH, qui euh, était disons euh, présente avec le Covid-19. Il avait simplement euh, simplement euh, dit al et même al alerté, alerté Alerté, alerté oui. simplement. Hein. Il avait simplement dit euh, je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait en laboratoire euh, pour euh, trouver un vaccin euh, sur euh, euh, le sur le VIH hein, mmh. et euh, il y a eu, sans doute eu une fuite et ça, ça a libéré disons euh, le, 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 le le ou la Covid-19. Alors et même Emmanuel Macron a te, avait tenu des propos énigmatiques dans un, un entretien qu'il avait eu avec le Financial Times. Euh, il y a manifestement, il disait-il, hein, il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Hein, C'est Emmanuel Macron qui disait ça. Donc un jour, peut-être un jour... Peut-être, euh, ça nous permettra. Macron, le Macron, ne Macron ne savait pas Non, Macron avait dit simplement il y a manifestement des choses qui se sont passées. Que, que lui, il ne savait <laughs> on pas. On ne sait pas. Incroyable. Ben, oui. Il lui arrive de ne pas savoir non. des choses. Voilà. Alors un <laughs> jour, un jour, sous un jour peut-être. Euh, le futur peut-être nous permettra de mieux comprendre ce que le professeur Montagnier voulait dire au monde. Et il finissait souvent ses conférences en disant ces phrases en latin "Primum non nocere". D'abord prendre soin. Et oui, c'était, je crois, dans les universités de médecine et même les infirmiers, les infirmières, disons. Apprenez, alors je ne sais pas si on l'apprend toujours aujourd'hui, mais euh, ça faisait partie des, des, des premiers balbutiements de, de, des études de médecine, où on leur disait d'abord prendre soin, prendre soin de l'autre. L'autre n'est pas une marchandise, mais l'autre est bien un être humain dont on doit prendre le plus grand soin. Alors je pense qu'il y a plusieurs professions qui normalement font écho à ça. Euh, la profession de prof, théoriquement, c'est de prendre soin de l'élève hein. aussi. Enfin, aussi. Euh, mais mais euh, on ne sait plus très bien si c'est complètement euh, actuel. De, Dire ça. Oui oui, bah je m'inscris complètement dans, dans ce que tu viens de dire, Alain, et j'aime bien aussi cette cette expression prendre soin. Euh, mais prendre soin, ça, ça demande du temps. Et euh, pour le capitalisme, hein, bah, le temps, c'est de l'argent. Et si on prend trop de temps, c'est de la perte d'argent. Euh, donc on se rend compte qu'à des moments donnés, effectivement, le, le, le système de la santé et le système éducatif euh, bah, rament euh, considérablement dans cette, dans cette espèce d'idéologie capitaliste. Et, euh, et du coup, finit par redevenir tout à fait autre chose que ce pour quoi elle est censée être. Euh, et j'en veux pour preuve justement dans l'enseignement de ma discipline. Euh, Qu'est-ce que c'est ta discipline Ma discipline, donc, c'est la philosophie, et euh, je passe mon temps à dire à mes élèves justement de prendre leur temps pour lire un texte, de, pour le, le travailler, l'analyser, l'expliquer, et en fait, ils ne savent plus faire ils ne savent plus faire en deux heures euh, ils ont euh, terminé leur copie, euh, précisément parce que ailleurs euh, donc y compris dans l'éducation, ailleurs on leur demande de faire des choses très très vite. Mmh. et tout se passe comme si en fait toutes les tâches étaient euh, morcelées et quil euh, y avait une espèce d'incapacité à faire du lien entre les différentes disciplines et donc à faire du sens. Euh, C'est pour ça que euh, moi je crois en, en une pédagogie, je ne sais pas comment l'appeler, la, comment mais euh, par projet et, euh, et par, euh, par coopération évidemment, c'est-à-dire euh, instituer des choses, des projets qui, euh, qui permettraient de travailler dans plusieurs disciplines. Et dont le, 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 le point de départ serait évidemment l'élève euh, il faut impérativement que ce soit un sujet porté par l'élève sinon si vous imposez quelque chose on sera dans l'ordre de la contrainte et c'est pas comme ça qu'on apprendra à, à, des, à des jeunes à exercer un jugement quoi. La, la, la philo en, en fait c'est quelque chose où, où justement tu, tu essayes de trouver tous les échos que, que tu peux avoir ailleurs aussi un peu en toi évidemment sur sa culture enfin euh, je sais pas c'est sans arr... des allers-retours entre ce que ce que tu as appris même au niveau familial, euh, euh, voilà, quelles sont les valeurs, euh, ça, ça interroge toutes ces choses-là, les valeurs, euh, ce que tu as compris, comment tu es avec l'autre, voilà, et donc, donc ça, est, la réponse n'est pas forcément immédiate, il faut qu'elle soit maturée un peu. Mais complètement, alors le, le, généralement les, les élèves qui, qui comprennent le sens de, de cet exercice-là, euh, bah, ils aiment bien, parce que justement ça les bouscule un peu dans leur manière de, de se représenter les choses, parce que je leur dis tout le temps que euh, finalement faire de la philosophie c'est accepter que ce qui paraît évident ne l'est pas euh, et donc du coup, bon déjà c'est un premier choc, hein, parce que euh, d'habitude il euh, ne faut pas plaisanter quand même on ne ouais. remet pas en question ce qui, ce qui est dit, quoi. tandis que là si ils peuvent le faire euh, alors du coup parfois ça, ça, ça marche euh, ça prend du temps, ça marche euh, avec euh, plus ou moins d'aisance, mais bon, on est là pour ça. Mais parfois, on a aussi des des, des, des gens qui, qui refusent, que, qui ont pas envie de ça, vraisemblablement parce que euh, euh, par manque d'habitude, hein, tout simplement, ou par peur de, je, je sais pas, par peur de, de, de quelque chose. Mais quand même, dans l'ensemble, nos jeunes sont sont résilients. Tu crois euh... Je sais pas. Je sais pas. C'est plus confortable d'avoir quelque chose de, de, ouais. de prémâché dans une certaine mesure plutôt que de, de s'exercer à, à juger par soi-même. C'est plus compliqué, c'est plus long, c'est ah, plus tu douloureux. Peux pas, parfois. Tu peux pas répondre avec un, un copier-coller. Ça, ça, ça voilà. c'est ouais, difficile. Et donc, c'est pas rentable. Et pourtant, c'est bien, ce hein. bien cet âge-là que c'est très important. C'est quand le jeune se forme, qui s'ouvre à la vie, qui s'ouvre à tout, parce qu'arrivé à un certain âge quand même, on est plus ouvert parce qu'on est plus indépendant financièrement ou on peut se déplacer. C'est pas gagné ce que tu es en train de dire, hein, mais bon. <laughs> mais, enfin, mais non mais c'est bien c'est bien ce stage là qu'on s'ouvre la vie que voilà il y a une sorte de choses qui de barrières qui tombent de, de... la liberté qui, qui arrive complète donc c'est bien ce stage là qu'il faut s'ouvrir la vie et 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 par la connaissance c'est très important parce que quand on parle de santé c'est pas que la santé physique c'est la, la santé morale mmh. c'est la tête parce qu'il y a beaucoup de dépression maintenant avec le avec les masques tout ça et avec l'enfermement des gens qu'il y a eu le... et, et du coup ben si si les gens ils, ils ils ne bosse pas, s'ils lisent pas, ça permet de s'évader et ça permet aussi de, de s'ouvrir au monde et aux autres mais après il y a il y a pas mal de jeunes qui euh, qui partent avec des des représentations complètement erronées et même avec des a priori ils se sous-estiment considérablement c'est souvent hein, qu'on entend les, les les jeunes dire alors là moi pour ma part hein, je parle des, des lycéens les jeunes disent je serais incapable de réfléchir euh, ou euh, d'exercer mon jugement etc et en fonction des des séries euh, c'est c'est encore plus marquant et par exemple euh, bah, la philosophie n'existe pas dans les séries professionnelles ce qui est à mon sens justement un non-sens, un, non un contresens. Alors cette année, on a mis en place quelques ateliers de, de, de philosophie et en fait les élèves, ils, ils y trouvent leur compte, sachant que c'est des heures en plus hein, dans, dans leur emploi du temps. C'est un peu la même chose avec euh, l'histoire. Il, il, il y a des séries où en fait ils font de moins en moins d'histoire. Alors ils sont revenus un petit peu ouais, euh, ouais, sur, sur cette réforme là parce que ben justement il y a il y a quand même eu ce souci de, de dire de, de de la part de, des, des collègues d'histoire. De dire que le, il était impératif de faire de l'histoire bah pour construire un homme hein, si, euh, si on n'a aucune idée de pour construire une femme. Euh, enfin, j'employais je, le, le au sens du genre je... humain. Oui. Euh, oui, mais oui, tout à fait. Euh, si on Florence a... Palot, Alors aujourd'hui, euh, on a eu la chance d'avoir Florence Palot, je, je suis en train de faire ça parce que euh, sans doute tu as, tu as vu, mais il a, euh, ouais. on nous a fait un geste comme quoi l'émission était à peu près terminée. Alors si un, un dernier petit mot peut-être. Alors, un dernier petit mot, moi je pourrais dire, euh, par rapport aux jeunes et tout ça. Euh, moi j'aime avoir, euh, et je pense que c'est important d'avoir des, des interrogations euh, face à toutes nos certitudes. quoi. Que, pas avoir des, des certitudes. Je dis souvent, j'ai des certitudes pleines d'interrogations, pour choquer. Oui, c'est très bien, c'est une très belle euh, expression. Toutes les questions, nos réponses c'est ça. -ce non, on non se... rien du tout. Merci Florence vous d'être venue. Merci. Merci. Merci à vous. vous. Au revoir. Je t'ai cou coupé la chic excusez-moi. À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir. Música